Damien et Sam Lali, on te remercie d'être venu vous parler de Sea Shepherd. On avait prévu de conclure cette émission avec Igor and the Hippie Land. Là, on a deux représentants, on a Igor et on a Manu. Qui ont écrit un titre. Moi, je trouvais que ça allait bien un peu dans cette thématique de ce soir. Un morceau qui s'appelle Disappearing World. On va aller leur laisser l'occasion de l'interpréter en acoustique. Et puis après, on parlera un petit peu avec eux pourquoi ce titre et pourquoi cet engagement justement pour la nature. Ok. On vous écoute. 1, 2, 3, 4. The Hippie Land, ce monde qui disparaît, ça vous inquiète? D'ailleurs, quand je vous avais croisé pour vous inviter à cette émission, vous m'aviez dit Sea Shepherd, oui, super. Ah oui. Bah oui, parce que je trouve que leur action, elle est essentielle. Heureusement qu'ils sont là, bon, il y en a d'autres, mais je trouve que leur action est vraiment courageuse aussi. Ils prennent des risques parfois, et je trouve que c'est courageux. C'est vraiment une bonne action. Nous, de toute façon, Manu et moi, on a toujours été
très proche de la nature, de l'environnement, de la protection des animaux, que ce soit marin ou terrestre. Je pense qu'on oublie un petit peu qu'on fait partie du système aussi. Ce qui est intéressant maintenant, en particulier, c'est justement des groupes comme Sea Shepherd, par exemple, ou d'autres, qui ont une visibilité plus importante qu'auparavant. Et la chose, à mon avis, la plus importante, c'est que pour faire avancer les choses, il faut que ce soit des gestes du quotidien, mais de tout le monde. C'est comme ça que ça pourra faire avancer les choses. Et par des actions, justement, qui sont menées par différentes associations comme ça, écologistes, qui ont plus de visibilité, ça permet de faire avancer les choses. Mais c'est vrai que moi, je suis sensibilisé à cette cause depuis, disons, fin des années 70, on va dire. Donc ça remonte à loin. Et j'ai connu justement Paul Watson par le biais, en fait en écoutant à l'origine, c'est une histoire marrante, John Baez. Et grâce à ça et à son engagement, c'est comme ça que j'ai connu Greenpeace. Et ensuite, ça, et c'est vrai qu'en France, c'était des choses qui n'étaient pas trop connues. Et puis petit à petit, ça a fait son bonhomme de chemin, mais il a fallu quand même plusieurs décennies. Et c'est très bien que maintenant, il y ait des gens justement dans ce pays qui s'en occupent, au moins, et puis ça permet de dispenser une parole aussi dans les pays francophones, donc c'est important, comme l'Afrique par exemple, ou d'autres pays, et le Pacifique, parce que la France dans le Pacifique a quand même une bonne portion à surveiller et à défendre. Donc, c'est une très bonne chose. Et puis là, la COP21, c'est quand même une chose positive dans le sens où ça fait parler aussi d'environnement, même si on sait très bien que ça ne va pas aboutir à des choses très importantes fondamentalement, mais ça permet de parler de choses mondialement, et ça peut parler aux gens. Et comme je le dis, il faut que chaque personne puisse faire un petit geste déjà à la base pour faire avancer les choses. Et parmi les petits gestes, vous en avez fait un justement en sortant ce EP qui va tomber, tiens, c'est presque un hasard, pendant la COP21, avec ce titre Disappearing World qui date d'un certain temps mais qui a toute son actualité maintenant. Oui, parce qu'en fait, c'est un titre qui a, je dirais, assez noir parce qu'il donne un thème disons, pessimiste de la suite des événements si on ne réagit pas. C'est-à-dire, évidemment, la pollution. Les pluies acides, les dérèglements climatiques, les océans, poubelles, etc. Et c'est vrai que nous, avant de penser à la COP21, on avait écrit cette chanson, parce que comme on le dit, on a toujours été engagé. Donc c'est vrai que c'est une chanson qui a été écrite d'ailleurs en partie par notre auteur, amie Claire Griswood, qui est britannique. Et elle est très proche aussi de ces causes. Et c'est vrai que quand on a su qu'il allait aller voir cet événement, on s'est dit qu'il fallait justement apporter notre contribution à notre manière. Et donc on a décidé d'enregistrer trois titres, donc Disappearing World, et puis deux autres titres aussi qui ont un rapport aussi un peu moins direct au climat, mais qui ont un rapport à la cause animale et certaines façons de penser, d'agir à sa manière. Alors justement, le titre qu'on a écouté en début d'émission, c'était We Need You Now. Oui, ce qui veut dire on a besoin de vous. C'est quelque chose... Pour défendre cette cause justement. Pardon ? Pour défendre cette cause ? Oui, bien sûr, parce que on a besoin tous les uns des autres et il faut réagir, il faut pas s'arrêter à la COP21, faut tout le temps faut réagir. Alors effectivement, il y a des gestes quotidiens, mais il y a aussi une façon de comprendre ce qui nous entoure. Et c'est vrai que souvent on est dans une société de consommation, on ne parle pas du tout de tous ces dérèglements, tout cet argent qui est fait autour de la pêche illégale, tout ces... Ça, d'ailleurs, je trouve ça assez incroyable que quand on est enfant, on ne nous l'apprend pas. Moi, je sais qu'on ne m'a pas appris à l'école du tout toute cette cause, tous ces phénomènes. Et je trouve que c'est assez incroyable. Alors, peut-être que maintenant, dans l'enseignement, ils en parlent un petit peu, mais moi, je ne me rappelle pas avoir eu quelqu'un qui nous a expliqué voilà la pêche illégale, voilà comment ça se passe. Le massacre des baleines, alors c'était peut-être parfois dans les vieux films de Cousteau, etc. C'est assez surprenant. Donc là, je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience. Après, c'est un long combat. Un long chemin, j'allais dire. Un long chemin. Nous, on apporte ça artistiquement, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas les cartes en main, déjà, toutes les connaissances, comme Sea Shepherd, donc on ne peut pas
vraiment rentrer trop dans le sujet, mais c'est vrai que nous, on apporte notre contribution, la petite pierre à l'édifice. Et comme, juste pour noter une phrase de Woody Guthrie qui avait dit « Cette machine tue les fascistes » en parlant de sa guitare, et ben, ça, c'est un peu notre machine à nous. Et donc, c'est une chanson qu'on offre aussi à tout le monde, à ceux qui veulent s'en emparer et utiliser les paroles. On la passe en Creative Commons, et donc c'est une chanson offerte sur le thème de la défense de l'environnement. Voilà, si ça peut intéresser des gens. Ben... Là, si je sais pas, si vous cherchez un nouvel hymne, hein, c'est cadeau. Là, bien, SM Lali, c'est important que les artistes s'associent à ces initiatives de défense de l'environnement. Vous comptez sur eux ? Ah oui, il y a un gros impact des artistes dans le mouvement, et c'est vrai que c'est ce qui fait aussi que c'est un mouvement qui est fort, parce qu'il est porté par des gens qui justement apportent leur pierre personnelle à l'édifice en fonction de ce qu'ils font. Donc ça peut être effectivement par la musique, parfois c'est des acteurs qui mettent leur notoriété à disposition pour que le message porte plus, parfois c'est... Ça peut être aussi des anonymes comme des instituteurs, des avocats. C'est la pluralité du mouvement qui fait qu'il est fort. Et c'est vrai que les artistes et la musique sont très efficaces parce que ça parle au cœur et à l'âme des gens. Donc on a des groupes qui nous soutiennent un peu partout. Et j'aime bien notamment les Red Hot Chili Peppers parce qu'ils sont très connus aujourd'hui, mais ils soutiennent Sea Shepherd depuis plus de 25 ans. Et à l'époque, c'était un tout petit groupe et Sea Shepherd était complètement inconnu au bataillon. Et c'est, Vous avez grandi ensemble. Voilà, ouais, vraiment, on a grandi ensemble avec les Red Hot. Ouais. Ouais. Donc, complètement, quand tu disais tout à l'heure que tu as porté ta pierre à l'édifice, ouais, c'est ouais. Exactement comme ça qu'on le perçoit aussi, quoi, que chacun... Voilà, on ne peut pas partir quatre mois en Antarctique, mais il y en a qui peuvent faire des chansons et véhiculer le message et donc contribuer de la meilleure manière qui soit finalement, de la manière la plus optimale pour eux. Deux mots, Lamia, sur l'opération Icefish 2015-2016. Oui, donc on enchaîne en 2015-2016 sur donc la suite de Icefish 1. Qui a été un énorme succès malgré le fait qu'au départ on nous disait qu'on ne trouverait jamais les braconniers. Voilà, on verra ce que ça va donner. Maintenant, c'est Sid, donc notre capitaine, un des deux capitaines de l'année dernière aussi, qui reprend la mission. On verra aussi... pour la question de la chasse à la baleine, puisque il n'est pas du tout exclu que le Japon y retourne cette année. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on est malheureusement là dans une position où, pour être efficace là sur la nouvelle donne de la chasse baleinière, il nous faut ce bateau qui est en train d'être construit, puisque les Japonais ont vraiment diminué leur quota de baleines. Et du coup, mathématiquement, pour nous, ça augmente la surface à surveiller, donc ça change un peu la donne, quoi. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a rapatrié deux bateaux en Europe, parce que au final l'Islande et la Norvège aujourd'hui tuent plus de baleines que le Japon en Antarctique, donc on s'adapte. Lamia, encore merci d'être venue nous présenter Sea Shepherd. J'imagine que nos voies navigables amèneront un moment à un autre à nous croiser. Tiens, on t'offre le disque de Igor, The Hippie Land. Voilà. Et puis, merci Igor, merci Manu. Merci à toi de nous avoir invités. L'EP sort bientôt là. L'EP, il sort le 11 décembre. Voilà. Avec une release party, j'annonce. Ah ben vas-y, profites-en. Alors, ça se passe, c'est une release party, donc un showcase au studio Campus, 12 bis rue Froment, dans le 11e. Voilà. Donc vous êtes invités, venez nombreux et venez écouter notre univers. Voilà, puis le 11 décembre, c'est la fin de la COP21, alors soit on boira le champagne, soit on pleurera. Ouais, on fera les deux. Pleurer en buvant du champagne. C'est ça, on fera les deux. Ah oui, je voulais aussi dire qu'il y a un clip vidéo qu'on va mettre en ligne sur notre Facebook, Igor and the Hippie Land, et justement le clip de Disappearing World, la chanson que nous avons interprétée. Et cette chanson, elle est sous-titrée dans plusieurs langues, exprès justement pour qu'il y ait une prise de conscience plutôt globale et internationale, qui
sera en ligne la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous. Merci.